Salut les gars, aujourd'hui on est avec Maxime de Lanceur de Lames. Bon, j'avoue, c'est la deuxième intro qu'on fait parce que le son tournait pas au début. Donc aujourd'hui, le projet, c'est quoi? On va lancer des couteaux pour s'entraîner et des haches et tout ce qui peut piquer, planter et, ouais, et faire mal. Et faire mal. Dans une première partie, on va juste s'entraîner en faisant du lancer standard. Et dans une deuxième partie, on a un projet. On a prévu. Comme dirait Macron. Un petit peu plus. C'est notre projet. On a prévu des choses un peu plus folkloriques. Voilà, en fait, ça fait presque depuis mon adolescence que j'ai ce projet en tête. Et puis Baptiste et eux, ils ont fait une vidéo et je me suis dit en fait, c'est avec ces mecs qu'il faut que je le fasse. Voilà. Donc voilà, ce jour est arrivé depuis ton adolescence. Voilà. Pour mourir tranquille. Ouais, merci les gars. Un rêve devenu réalité. Genre, on va savoir si ça fonctionne. On verra. Peut-être qu'on va mourir, mais au moins ce sera drôle. Voilà. Allez, c'est parti. Bon les gars, je suis content de vous dire une nouvelle fois que cette vidéo est sponsorisée par Kalos. Alors Kalos, c'est quoi? C'est une marque française qui propose une large gamme de produits avec notamment des vêtements, comme par exemple ce sweat que j'aime beaucoup avec le petit logo du FAMAS, ou celui-ci qui est le choix de Clément, notre cadreur. Vous allez pouvoir retrouver une très large gamme de produits dans la gamme des vêtements, des sweats, des chinos, des t-shirts, des polos. Donc je vous invite vraiment à aller visiter le site pour voir ce qui vous plaît le plus. Vous allez aussi retrouver le couteau qui est le même que le modèle de l'armée française. C'est un couteau que j'utilise maintenant tous les jours, qui est vraiment très pratique, qui est très solide, avec le petit tire-bouchon, la touche française. C'est vraiment un très bon couteau. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver différentes chevalières, toutes fabriquées par un artisan lyonnais, que des trucs vraiment stylés. Je vous invite vraiment à aller visiter le site pour voir ce qui vous plaît le plus. Vous pouvez aussi bénéficier de 10% de réduction avec le code GAULOIS10. Et sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Le mieux, c'est de commencer tranquillement avec les haches, parce que c'est pas compliqué, c'est moins dur. Et ça va vous permettre de... Parce que là, on a... Mais nous, ça nous gêne pas, on veut juste lancer des trucs. Hein. Ouais, vraiment. Là, on a pu voir, notamment bah, avec les haches, que ça manque un peu de vitesse. Donc, faut que vous trouviez vos repères. T'en prends en 3, 2 dans une main. Et t'es gaucher ou droitier? Je suis droitier. D'accord. Je comprends pas ce que tu m'expliques. Alors, on regarde deux. Là, voilà. Voilà. Ah, okay, c'est tu vas te mettre devant la cible. On a combien de mètres là? 2 mètres, 3 mètres? Oh, on est à 3 mètres et des brouettes. Okay. Et là, tu lances devant toi, vas-y, premier lancer, tranquille. De manière fluide et efficace. Voilà. Alors rapproche-toi un peu. En plein temps. Rapproche-toi un peu. Ah si, faut voir la rotation. Voilà. Ok. Un petit peu plus sec le geste, mais sans fouetter avec le poignet, mais plus de vitesse. Voilà, tu vois là okay. On sent qu'il y a... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont arrivées exactement pareil, donc ton geste est très régulier. Par contre c'est incroyablement précis. Enfin ça lance là où tu vises. Alors ça c'est... Ça c'est dans ton cas, mais ça dépend des gens quand même. Voilà, là c'est sympa. Alors faut faire attention que le poignet part pas en vrille. Oui. Voilà, lui il est bien. Je vais pas me répéter, même histoire. C'est assez naturel quand même à lancer. Oui, alors parce que c'est l'âge, le couteau ce sera moins drôle. Ah ouais, je pense. Bah, le couteau il n'y a qu'une pointe, il faut que ça arrive comme il faut. Parce que là c'est vrai que je l'ai porté sur la manche tout à l'heure pour vous. Oui. Apprends-nous. Alors un peu plus de conviction. Ouais. Voilà. Putain, la perfection. C'est pas trop compliqué. Voilà. À la base il était viking et il est devenu gaulois après. Non, on va faire deux tours. Alors CH moi je l'utilise très peu donc on va trouver la distance à vue de nez. Ah bah on est avec quel boss. Donc bah viens toi là. Viens toi là écoute. Impeccable. Putain. Bon bah voilà, vous voyez, ça c'est déjoué, hein, ça fonctionne super bien. Alors garde la. Essaye de planter un bâton peut-être. Allez, pour la distance. Allez on va passer à 100 mètres du coup. Ah si tu veux on fait 3 tours là. Je perds mon micro. Ah, putain, mais plus on fait de tours plus il y a de chances que ça accentue l'erreur quoi. Plus il y a de variables on va dire. Ouais. Oh bah. ça y va. Parfait, exactement ce que je voulais. Mais voilà, c'est incroyable parce qu'en fait attends, je suis en train de réfléchir mais Mais c'est parfait, qu'est-ce que tu veux changer, c'est nickel. Ouais, non, mais j'essaye de comprendre la rotation. Attends mec, essaye de remettre la troisième dans le manche. La troisième dans le manche, c'est que elle va être dans le manche hein. Elle va être dans le manche à mon avis, vas-y. Un manche à couilles, le fameux. Voilà, bah, bah, incroyable, il est même tout dans le manche. Bah c'est vrai que tu vois, on fait ça c'est pour user TH de façon uniforme. Comme ça use partout. Tu veux ces 3 tours direct? Ouais, bah écoute, c'est pas mauvais. On est quand même des éclats, on a des là, à votre avis, là, ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai mis 3 fois dans le manche. L'important, c'est que ça fonctionne. Ouais. Oh là là, mais. Approche-toi un tout petit peu. Ouais, mais ça y va. Encore. T'as un peu faiblard ce lancer, Benjamin. La conviction! Oui! Oh.
Eh, franchement, mec, elle est au degré près parallèle. Je veux pas donner de conseils, mais si le caméraman filme d'ici, le vol de la hache est magnifique. Allez, ouais, bon, il y a des risques à prendre. Non, tu vois, même pas, c'est lui qui va lancer. Ouais, ouais, je préfère. Ah, j'ai visé entre les deux, moi. Même de derrière, tu le. Ouais, enfin, non, c'est. J'arrête le tir. Le tir, ça pue la merde. Je mets son couteau. Ouais, parfait. T'entends le vol d'hirondelle ? Ouais, c'est vrai qu'on entend. Allez, hein. C'est bon. Je suis assez donné. Le plan était bon aussi. À chaque fois qu'il a ça, qu'il me regarde, je flippe. Je me dis, c'est fini, je vais mourir en fait. Ton défaut, toi, c'est le manque d'engagement. Faut. Je n'y crois pas, Benjamin. Toute sa vie. Je n'y crois pas à se lancer. Je vais l'avoir. Sa mère. Ouais, t'y vas, quoi. En fait, t'as une portée illimitée avec ça. Ça dépend tes performances à la salle, mais tu peux lancer le vent. Ouais. Oh, mais putain. Il est beau. Elle est bien droite. Oui. Toi. Oh, magnifique. Les trois sont parfaitement identiques. Putain. La dernière, c'est... Alors, la dernière, on peut voir la pénétration si jamais tu la prends jusque là. Vas-y, enlève-les. Moi, je pense que je ferais pas mieux, hein, donc je vais rester là-dessus. Moi, je lancerai plus. Mais là, c'est vrai que ça commence vraiment à faire une cloche. Hein. Ah oui, oui. Les mecs qui lancent à 25 mètres, 30 mètres à la hache... Il y a combien de tours? Ils lancent dans le ciel. 10 tours. Ouais, 10-12 tours. Mais ils lancent vraiment, moi j'ai des photos, vraiment t'es obligé de lancer dans le ciel. Attends, c'est incroyable qu'ils arrivent à faire 12 tours et chaque lancer est identique quoi. Faut que ça fasse vraiment. Alors à ces distances là, il y a quand même du déchet, mais t'as 3 essais en longue distance. C'est pour pouvoir reculer. Oui. Ah, le jet était pas mal, la trajectoire était bonne. Ah ouais, magnifique. Oh. Ah, ça me paraît loin là. Ah bah oui, ça paraît loin. Là, faut faire une cloche déjà. Oh là là, le manche. Non, non, la lame. Non, ah bah, ouais, si, il a raison, ouais, la lame, la pointe du dessus. Oh putain. Oh là là là. Hey, je vais me lancer dans la compétition. Oh. T'es pas mal parce que t'es quand même précis. Il se permet de les aiguiser. Je vais laisser des flèches dans des flèches. Ouais, le coup de Romain Desbois. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois on a le testeur. Ça, c'est le télémètre. C'est-à-dire que si ça plante, c'est que c'est la bonne distance. Ouais, là, on commence à arriver au moment où le niveau laser marche moins bien. Là. Ah. On aurait pas dû inviter ce mec, il lance pas là. Tu peux répéter. Oh là là. Oh, j'ai vraiment eu peur. Ouais, plus haut. C'est bon. Elle est belle. Allez, bien haut, bien fort, parce que là, t'as de la route. Oh, je crois qu'il est bon. Le manche, hein. Oui, mais elle s'est plantée. Oh, merde. C'est vraiment plus fort. Ah ouais, pas du tout. Il a le ricoché. Incroyable. Attends, je rêve ou c'est ricoché manche? C'est ricochet manche. Incroyable. Il faut juste viser 1m50 plus haut. Il faut vraiment que tu fasses une cloche. Hein. Ah non, je vise pas assez haut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 et demi, truc dans le genre. 13 et demi, ouais. Bon, on recule encore, parce qu'on l'a déjà fait. Ah oui, on recule. Je te laisse voir les haches. Je te laisse télémétrer. Je lance jamais à cette distance, parce que mon local est trop petit. Ouais. Bah ouais, bah, genre, en même temps, on comprend quand on voit la distance que tu lances pas à cette distance. Merde. Allez planter, c'est validé. Ah putain, c'est dur de viser haut là. Mais lui c'est abusé, il plante quoi qu'il arrive. Elle part trop bien. La précision est hasardeuse. Ah ah. Ah, ça devient dur. En fait, je tords ma main. Du coup, c'est. Oui, tu commences à casser le. Ouais, à cause de l'engagement. J'en ai quand même mis une, donc c'est validé. Donc on recule. Va derrière la cible, clairement il n'y a plus de danger, alors d'ici on est précis. Surtout quand c'est moi, t'inquiète. Moi je vise devant, donc t'en veux pas. Faut vraiment que tu vises anormalement haut. Hein. C'est très bizarre. Ouais, mais... et que tu bourrines quand même. Là faut commencer à mettre un peu de vent. Ouais, là. Oui. Oh, la caméra. La caméra elle veille pas si je pense. La caméra elle s'est chiée dessus. Alors elle. Incroyable. Incroyable. Oh. Yeah. Il y a 2 secondes de temps de vol là. Oh, dommage. Est-ce qu'on sera meilleur avec des haches plus lourdes? Non, on n'arrivera même pas à les lancer. Non, elles sont bien assez lourdes. D'ailleurs, là, en longue distance, elles commencent même à être un peu lourdes. Elles nous font chier, tu vois, pour aller loin. Elles nous font chier. Ouf. Oh, le con. Oh, l'ordure. Mais attends, mais... Alors, elles ont été plantées comme des dégueulasses. Non, mais... c'est très bien. Attends, laisse tomber. Oui! Oh, elle a planté, je crois! Elle a planté, elle a planté! Oui! Ah putain!
Il y en a une, ça a du mal à planter. Hein. Bah alors tu lui as dit mais... non mais attends. Il a shooté une pointe, il y a une pointe qui est partie derrière. Par contre tu lui as dit de viser ça, il l'a visé. Hein. Ah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, attends, 16, on a lancé de là 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Salut bon, aujourd'hui TLD à la hache. Regarde, pour son honneur, il va remettre. Ah ouais, je vais essayer. Bah, il y a le seum parce que j'en ai mis une. Il y en a deux quand t'as je le sentais venir, je me suis dit, cet enculé, il va être bon de loin. Sur la longue distance, même à la hache, c'est... Oh. Ah putain. Mais quel oh bon le bâtard. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Oh, j'ai écouté. Putain. Ah, ça commence à faire vraiment loin. Lui, il prend 2 mètres d'élan, tu sais, il est là. Bah, je cherche un peu tout, là. J'essaye de sauver l'honneur, de comprendre. Oh manche, par le manche, donc y a rien qui joue, je sais pas où on est, mais c'est pas grave. Et tu vois qu'elle est plantée d'une puissance. Et encore, elle arrive en banane, donc... Elle est plantée jusqu'à... Oh, putain. Ah ouais, elle est plantée jusqu'à la garde. Attends. J'emmène la cible si je veux. Attends, mais mec, elle arrête de l'autre côté. La pointe dépasse de l'autre côté. Il y a la pointe juste là, qui dépasse. Eh oui, mais c'est sponsorisé par Charles Martel. Oh non. J'aurais été content de te l'offrir vraiment, mais oh c'est là pas là. Cette fois-ci. Oh non. Bon, c'est pas grave, on aura quand même bien lancé, je pense. Le couteau à courte distance, je le sens pas mal. Mais dès qu'on va commencer à faire deux tours... Ok. Il lance d'une force, en plus, ça qui est abusé. Là, tu peux faire le mardeau. Je... Parce que là, on va passer pour des grosses merdes. Écoute, mets-toi là. J'ai pas grand-chose à expliquer. Décidément. Tu prends... Attends, écoute, j'essaie d'être une et on voit. Ok, vas-y. Alors, j'ai lancé un plaçant. Avec deux doigts. Comme ça, tu vois, okay. Juste deux doigts. Là, tu la prends un peu trop. Tu prends juste deux doigts. Ouais, pour qu'elle tourne plus. Ouais, voilà. Parce que c'est pas très long comme lame. Tranquille. Alors, vise bien les planches au milieu. Ok, rapproche-toi un tout petit peu. Ouais. Alors, ne t'énerve pas. C'est une technique subtile. Tranquille. Tranquille. De la vitesse. Voilà. Encore un peu plus de vitesse, mais te penche pas. Voilà. Tout en souplesse. Ouf. Par contre, je suis précis dans un angle méta. Bon, j'ai trouvé ma rotation. Bon, je peux officiellement sur tes marques. Officiellement dire que t'es pas mauvais. Recule encore. Voilà, vas-y. Ok. Encore, faut que je recule encore un tout petit peu. Recommence quand même pour être sûr. À demi-pied. Tu vois, là par exemple, elle avait trop tourné. C'est que son geste n'est pas régulier encore. C'est bien parce qu'une fois que tu as trouvé ta rotation. Ouais. Non, ça, mais vous êtes assez régulier quand même. Il y a des gens, c'est vraiment dur au début. Oh ah. Voilà. Joli. Allez, on va... Alors là, on est sur 2 minutes d'angle, c'est parfait niveau tir. Donc, hop, vous allez vous mettre. Mais en plus t'es précis toi, c'est abusé parce que tout tape au même endroit. Ah elle était pas loin là. C'est vrai que c'est frustrant parce que quand t'en plantes 2-3 d'affilée, tu t'énerves un peu. Tu mets de la puissance, tu te penches, tu réduis la distance et c'est plus bon. On n'est pas si peu précis, je pensais qu'on serait plus large que ça. Non c'est bien. Mais vous êtes pas mauvais franchement. Je dis pas que c'est incroyable là, mais je pensais qu'on serait pire. Bon les gars, on fatigue un peu parce que on a bien lancé là. On va aller manger tranquillement. Ouais. Et après on reprendra. On refera un peu d'entraînement et après on passera sur notre projet. Le projet secret. Avec un nouvel invité aussi. Un nouvel invité. Ce sera pas mystère parce qu'il sera sur la miniature. Donc il est clairement identique. Bon allez go. Bon les gars, partie 2 de la vidéo avec un nouvel invité qui nous a rejoint. Il a senti l'odeur des bouteilles de gaz. Non mais t'es sérieux? Bon je ferai un cut, tant pis.
Ouais, j'ai senti l'odeur des bouteilles. je mettrai un bip. Je mettrai un bip. Vas-y, vas-y, refais, c'est bon, t'inquiète. Tu fais plus du Suzuki vraiment, t'en prends. Non, ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête, je suis sage. Bon jour. C'est pas ça que t'allais dire? Mais non, on a déjà démarré. Ah oui, c'est vrai que moi j'arrive en cours de route. Tu ne m'avais pas attendu. Donc là, l'idée, ça va être de lancer les haches enflammées sur les bouteilles de gaz. C'est qui va lancer? C'est Maxime? C'est Maxime qui va lancer le plus parce que c'est le plus précis. En vrai, on essaiera aussi quand même. Bah oui, on veut tester. Après, en vrai, ouais. D'accord, bonne remarque. Super remarque. Je faisais des réflexions moi-même. Mais c'est vrai que, je veux dire, chaque fois que tu rates, c'est relou, tu vois. Aller rechercher, machin et tout. C'est bien que ce soit lui qui tire et soit qu'on se fasse pas chier, quoi. Mais j'ai quand même envie d'en faire exploser une, tu vois, pour le principe. Mais là, je peux essayer, là, parce que je suis pas convaincu de... Vas-y, je trouve que c'est un peu bas, mais... Oui, mais après, la bouteille est posée dessus. Ah putain, tu vois, juste avant. Le mec, il me jette des bouteilles de gaz. On va se régler, mais ça va aller tout seul. Tiens, lance ça. C'est bon. Vas-y, continue, encore. Touche-la. Non, t'es trop à gauche. Ah, je te les mecs, le bordel me fume dans les oreilles. Par contre, j'avoue, ça doit être relou. Vite à droite, vas-y. Mais fermez vos gueules. Là, tu vas là. Tu sais qu'elle va péter toute seule, elle est dans le feu. Voilà, restez baissé. Dommage. Juste à côté. Oh merde. Il gâche ses trucs. C'est qui qui a dit que ça ferait rien? Qui c'est qui a dit que ça ferait rien? Ouais. Ah, dingue. Oh, putain. Mec, ça a rien fait, t'as vu? Ah, bien joué. Ah, la vache! Wow, j'ai trop peur. Est-ce que t'étais baissé quand ça a pété? Ah, j'ai senti un souffle. La chaleur. En fait, le truc, c'est qu'on a le vent contre nous. Mais c'est d'un coup, j'ai vu qu'elle allait dessus. T'as entendu le... Le truc, c'est qu'on a le vent contre nous, donc t'as vraiment la flamme qui est venue au-dessus du gars, tu vois. Ah, ça avait plus flippé que sur une planche. T'as vu le temps que ça prend, par contre, mec, à toucher. C'est vrai? Pas fort, hein. Oh, dommage. Ça y est, il a trouvé le... Oh, let's go. Tu vois pourquoi il en chie autant alors qu'en deux coups, c'est marrant, ça suffit, tu vois. Oh, le bâtard. Putain, ça pète bien. Ouais, ça fonctionne bien, ouais. Tente quand tu as Victor derrière. Attends, passe-toi. T'es trop stressé, Maxime. J'ai l'impression que tu stresses un peu, je comprends pas. Ouais, un petit peu. Parce que maintenant, il sait ce que ça fait. Il a plus de poils. Avec, quand t'es là-bas, ça fait chaud, hein. Tu sens la chaleur. Vas-y. Même ici, ça fait chaud déjà. Vas-y, même, je te passe tes haches après. Mais le problème, c'est que s'il y a rien qui pète. Non, mais le problème, c'est qu'il y a trop de métal sera, dessus là. Tout sera bloqué. C'est surtout qu'il va y avoir du shrapnel. Oh, oh là là. T'as bien fait de te baisser quand même. En fait, il y a un problème avec le vent, c'est qu'on a vraiment le vent et la flamme ça, vient ici quoi. Des belles images, justement, c'est mieux. Ça attrape. Tu vois pourquoi je dis que faire attention. La nouvelle coupe du monde. Mais en fait, pour les tremper dedans, faut les prendre, c'est ça le problème. Ouais, c'est regarde, c'est un rôle bonhomme. Ça va bien rouiller. Et nous, on le regarde faire. Lui, il a des mains de forgeron, donc il peut faire ça, tu vois. Celle-là, je l'ai mis dans l'eau, elle a fait. C'est pas chaud, t'es ta fume. Regarde, ça fait pas, c'est pas chaud, t'as plus de peau. Attends, y'en a un qui a l'air chaud, là. Oh, putain, ça fait fondre le seau, là. La hache, elle est coincée, la pointe, ouais. C'est pas un bruit de hache froide. Attends, on est pas couvert. Les mecs, quand même plus actifs. Alors les haches sont trempées, c'est fantastique. Attends. On est à couvert derrière un baril de pétrole, c'est bon. Merde. Oui, je viens de comprendre le... Les mecs, ils sont pleurés derrière des sacs de dynamite. Oh, calme-toi. Attends, il y en a encore une, je crois. Ouais. Parce que là, elle est contre le sol. Ouais, mais il peut l'avoir. On dirait une croix. C'est stylé, là, ouais. Faut pas te cacher quand tu tires. Oh là, ouais. Elle va péter toute seule. Bah, là, elle est dans le feu, gros. Elle va péter toute seule, à un moment. T'entends? Elle va péter. Attends. Elle va... Ouais, qu'on discute, là, elle est vraiment dans le feu. Elle va péter toute seule. Elle est dans le feu, elle va péter. Ça va péter. Voilà. Je vous l'avais dit, hein. C'était sûr. Mais faut juste le foutre dans le feu, attendre. Oui, mais bon, le but, c'était pas ça, le but de la vidéo.
Moi je pense on fout le sac dans le feu, non? Non, arrête. Pas direct les bouteilles de gaz, regarde. Non, arrête. Arrête, il a mis dans le feu là. Les deux. Oh mais les éclats là-bas. Là ils sont en train de remplir le sac, tu me vois pas, tu m'entends? Ils sont en train, c'est son idée. Ouais. Vas-y. Sous une idée qui a été prise en collectif, bon, on bon, remplit bon, un bon. Sac Carrefour de fuel, on met toutes les bouteilles de gaz et on met dans le feu. Ça n'a plus rien à voir avec du lancer de couteau, mais c'est pour la science. Tout le monde est à couvert? Oui, c'est bon. Oui, vas-y, ta gueule. Oh le con. Et là on attend. Oh, toutes les bouteilles qu'il y a. Enculé. Ça va péter, Ok, tu peux voir là, si t'as pas envie de voir. Moi j'ai regardé ton tel. Oh, c'est la pression. Il y en a d'autres ou pas? Ah oui, elles sont toutes dedans. Ah putain, on se prend des débris. C'est vraiment un bombardement là. Il y a plus rien qui est filmé. Je sais pas tout ça. Moi je savais pas que ça volait aussi loin. Il y en a un, il a volé dans l'autre patch. Mais en fait nous on a commencé à se prendre des débris, c'est pour ça qu'on a couru. Ouais, moi je le sortais pas, c'est fini là. On sait pas, c'est vrai qu'on sait pas quand ça s'arrête. Allez le cadreur. Ouais, ça m'a l'air d'être fini. Ouais, c'est fini, il y en a plus. Non, il y en a plus. C'était vraiment le meilleur truc à faire. Hein. Oh. Y'a pas à dire. On s'en prend les drones. C'est du. Ouais. Putain, ça a commencé à péter sur le crâne. Ouais, c'est bon. Qui était plus malin. Lui, il a dit direct, moi je me mets là-dedans. Nous, on était là, on était ici. On a commencé à prendre des bouteilles, on a couru. On a couru comme des merdes. Je me suis barré là-bas. C'est pas dire, mais le cadre, c'est Clément et moi, on s'est retrouvés. Clément et moi, on s'est jetés dans le truc et on est arrivé comme ça. Y'a des bouteilles qui sont parties dans les arbres. Mais y'en a une, elle a volé de l'autre côté. Putain, t'as tué un écureuil. Mais non, un mec de. Un garde-chasse qui va se prendre des bouteilles de gaz. Le garde-chasse, il passe avec son fusil, il voit la bouteille qui passe. Il bat le trapeau, il s'est obligé, tu sais. Bon, c'était la meilleure idée. Il y a jusque là-bas. Je regrette pas qu'on l'ait fait. Bon, les gars, troisième partie improvisée. C'est quoi ça? C'est un morceau du Suzuki qui est cassé. Troisième partie improvisée, on va du lancer de hache en roulant. Un qui... Mais arrête ton putain. Un qui conduit, un qui lance. J'ai fait le truc de toi que tu m'avais dit quand t'étais grave excité, viens on se bat. Et je lui ai fait pareil. J'arrive même plus à expliquer ce qu'on dit. On va lancer des trucs. Bon, vous allez comprendre. On refait bien. Bon, mais attends, mais c'est lui qui fout le bordel après. Il fait attends, on refait parce que t'as été insupportable. Nul. Il est insupportable ce gars.
On a réalisé ton rêve d'enfant de faire exploser des ouais, bouteilles. Ouais, bah j'ai vu que mon rêve d'enfant, voilà, il fallait des ajustements techniques qui s'appelle je balance le saut de bonbonne de gaz dans le feu. Tu...